C'est le nouvel an. Ohayou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku na. Bonne année. Koro mo omedetou na. すっかり寝坊だよ。なんであんなの見ちゃったかな。イタリアかなんかのゾンビの映画見ました？見るかそんなもの。あの、皆さんはお参りとか行かないんですか？神社なら労働ワークでよろしい。それで十分だ。俺もそういうの嫌。めんどくさいだけだし。 ゆかりさんたちはもう行ってますけどね。みつるさんが全員分の晴れ着を用意してたみたいですよ。着物ね。俺っちちょっとコンビニ。おい待て。は？初詣に行く気か？そういうのはいいんじゃないのか。いや。 いやだな。いや、ちょっと散歩してくるだけっすよ。まあ暇だしな。たまには付き合おう。あ、僕も行きます。今年 sur moi. なんだ、結局みんな行きたいんじゃないっすか。場所は？ あ、聞いてます。よし。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。っていうか遅かったね。もう帰ろうかって言ってたのに。 明けましておめでとう。どうした？いいよね。霧城先輩、すげえいいっす。なんだこれ。わあ、なんだこの気持ち。おい。明けましておめでとうございます。 皆さん、私、和服って本当に着たことなくて、帯とか曲がっちゃってないですか？ふうか、お前、いいよ。なんかこう、もう面白い構成の服ですね。ちょっと、あ、愛ちゃん、和とのギャップが。 またこうね。そうですか。なんでしょう、この感情。ああ、来てよかった。いいよな、お正月ってさ。なんか、純平さん、変ですよ。いやー、正月早々いいもん見れたっす。 ねえ、真田さん。まあ、それより寒くないんですか？まあ、正直ちょい寒いけど、その方が気が引き締まるっていうか。いえ、そうじゃなくて、履いてないって純平さんが言ってたから。 入ってない？え？天田君にいい教育してるわね。ちょ、待て、ま。あうち。おみくじを引いたら大吉が出ました。
きっといい結果になりますよね。よってうまいで。Et voir t'as quoi? Attends, tu vas pécho le robot? Mais qui peut le stopper, disait la fouine. Soro soro kaeru ka? So ka. Domo.こう見慣れないとこっちが気恥ずかしい感じがするな。え、faut pas dupliquer là. On va piquer une journée. な、俺言ってねえよ。てか作んなよお前ありがちにさ。へへ。え、だって。Je ne peux pas croire qu'il ait eu celui avec vraiment pas de chance. Je ferais peut-être mieux de rompre avec lui avant que ça devienne. Que ça dévienne des teignes sur moi. Il n'y a plus de billets. Oui, oui. J'ai choisi une prédiction et elle m'a annoncé vraiment pas de chance. C'est super pour commencer l'année.何を言うかと思えば、でもさ、こういうのもたまにはいいよね。とにかく前向きに頑張ろう。On a parlé à tout le monde。で、風花は何をお願いしたの？私は今年がいい年になりますようにって普通だけど。でも素直にそう思えたから。私もだ。偽らざる今の気持ちだな。みんな同じか。しかし神頼みってわけじゃない。大丈夫、私たちなら必ずできるさ。うん、私たちなら。もしもし、こちらエリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。Elisabeth a dit qu'un chemin bloqué jusqu'ici s'était ouvert. Je devrais jeter un œil lors de ma prochaine incursion à Tartare. Allez, on y retourne. Dernière section.Enfin, plus ou moins. Les secousses se sont calmées. Les escaliers. La voie vers les escaliers est ouverte. Je l'ai trouvé stylé cette section. Je me souviens plus à quoi elle ressemble.Ah ouais, je m'en souvenais pas du tout, tu vois. Chef, tu m'entends? On dirait qu'il y a plusieurs ennemis de type gardien devant. Il va falloir tous les vaincre. J'ai des signaux très forts pour chacun d'entre eux, mais on peut le faire, je crois. Bien sûr. Tu as raison. Je veux dire, on est arrivé jusque-là. Mais ça rassure de te l'entendre dire, Yuki. Notre objectif est le sommet de la tour. Progressons pas à pas.
Je sens la détermination renouvelée de chacun dans notre périple vers le combat final. Allez, c'est parti! Et de souvenir, à chaque boss vaincu, on va monter d'un rang. Continuez alors. Soyez prudents surtout et n'en faites pas trop. T'inquiète, Kekette. Ouais, faudrait que je vois à quoi ça ressemblait dans P3P. Je me souviens juste de l'ouverture des portes un peu chelou, mais... peut-être que je me trompe de personne. Hein. Je lis pas ce que t'as écrit au Mikami parce que ça peut spoil certains qui n'ont pas fait P5. Mais je pense exactement à la même chose. L'environnement un peu immaculé. Massacado. Bonne défense. Alors, on va taper du poing, si j'ose dire. Là, du coup, l'idée, c'est de sortir d'ici niveau 80, quoi. Mini. Les plus intéressantes des personnages sont 80 plus, donc enfin, j'en ai déjà des très intéressantes. Mais Nyx est balèze. Nyx est très balèze. Oh, faiblesse. Allez, ça commence. Combien j'ai de place? Bah que deux. C'est déjà pas mal. Là, par contre sur la minimap s'est retrouvé. Peu chelou hein. Ok, ça monte. Il y avait un autre petit passage. Je pense qu'il traîne l'ombre en fait. Ah, la glace peut-être. Pas convaincu mais... La faucheuse donne dans les 500 000 XP. Ah, c'est 350 000. Yann, il m'a donné le chiffre. Ouais, il m'a envoyé un screen en fait. C'est pas ça que je voulais faire. Je crois que c'est même 370 000 pour être précis. Ouais, ça, c'est dangereux. Mais d'un autre côté. C'était bien ça.
Ouais, t'avais dit que j'avais pas vraiment le niveau. Si, c'est faisable au 75. Hein. C'est carrément faisable. C'est dur, mais c'est faisable. Ah, ça commence bien ça. Mais ils en font pas gagner, hein, si je veux les derniers stuff. Je pense que l'arme de Aegis, c'est son. C'est sa dernière arme, Pandemonium. Premier boss. Un sable obsédé. Oh, il n'y a pas beaucoup de points de vie, mais ça cache peut-être quelque chose. J'aurais dû faire une attaque physique avec l'autre. Putain, il fait le café lui. Hein. Je veux même pas utiliser de théurgie en fait. Le finir en un tour peut-être. On va essayer une fois, si ça passe pas, bah, on va tenter autrement. Et plutôt avec lui, plus de chances de crit. Je pourrais tenter là. On va faire comme ça. Comme ça, prochain tour il meurt. C'est le meilleur, le chien. Tu m'entends? Nickel, on a déjà l'air d'être en communication. Alors ça roule? Vous avez l'air d'être sur une bonne lancée, les gars. Ayoji a dit qu'on n'avait aucune chance de gagner. Mais vu comme c'est parti, ça va être du gâteau. Non, je rigole, mais on va se régaler quand même. Ce sera peut-être du gâteau. T'es là à garder ton sang-froid alors qu'on vient de se prendre claque après claque, comme quand on va se rétamer. Tu m'impressionnes, mec. Sérieux, je pense que t'as même une chance d'arriver à mon niveau. T'inquiète, je sais bien qu'il était sérieux quand il a dit qu'on pouvait pas vaincre Nyx. Donc, je t'explique pas comme je vais me marrer quand on va lui prouver qu'il avait tort. Je sens la détermination renouvelée de chacun dans notre périple vers le combat final. On essaye, Yann, on essaye. Bonne chance, les amis. Ce serait bien si je pouvais choper une charge aussi. Hein. Sandale de Hanzo. Hattori Hanzo.
qui c'est. Auto Masaku qui augmente l'agilité de tous les alliés. Ah, c'est vraiment pas mal ça. Hein. Escape glace. Bah tiens, c'est parfait. Franchement, pour un début de combat, c'est trop bien ça. Parce que là, du coup, le chien, il réduit précision esquive. Lui, il va augmenter précision esquive. Ça va être tip top. Évidemment que c'est en dessous. Ah, pourtant, il y a un petit boost perforation. Mais je crois qu'il vaut mieux ignorer les résistances. Hein. Il était temps. Au moins là-dedans, on peut avoir des bonnes cartes. Enfin, potentiellement. Par contre, je n'ai pas de théurgie. Je dis que ce sera la première fois que j'achète un jeu à 80 balles. Ah oui. Tu vas acheter quoi? Je me demande bien. Ouais, moi ça va super, merci. J'ai refait la démo d'ailleurs tout à l'heure. Ah non, hier, pardon. J'ai refait la démo. Bah, ça allait beaucoup mieux. En fait, on en discutait avec Omikami, mais une fois que t'as compris comment les devs ils veulent que tu joues, ça va. Et à ce niveau-là, c'est quand même très différent de Remake. Enfin, très. Pas tant que ça non plus. A plus tard, Alain. C'est pécho l'ombre rare, hein. Par contre je sais pas ce qu'elle aura comme résiste celle-là. Merde, du coup. C'était risqué ça. Tu l'as fait deux fois la démo toi aussi? Copieur. Ah, c'est pas la même. Main glorieuse cette fois. Ouais, c'est encore pire, elle renvoie les dégâts. Ça va être pareil pour ça, je présume. Elle doit avoir un renvoi partout. Ah oui. C'était sûr. Ça passe outre les résistes. Mais... est-ce que ça marche aussi pour les renvois? Je pense, hein. Non. Ouf. Ouais, y'a que ça qui va marcher en fait. Où ça? C'est dommage, je voulais garder ça pour la porte-monnaie. Obtenez une carte en sang qui augmente une stat. Ouais, c'est pas déconnant. Sans magique 2. Bon, il faut bien commencer de toute façon parce que sinon je vais jamais remplir le set là. C'était dead de pas pouvoir explorer la ville. On va pas. Ce sera peut-être jeudi ou vendredi. Alors, le passage est en face. Allez, un petit boss. Donc en fait, ça fonctionne bien son arme.
ignore les résistances ennemies. Mais pour ça, il faut pas qu'il renvoie quoi. Pour fanatique. On peut peut-être tout de suite commencer avec ça, mais... Attends, c'est pas énorme là, c'est colossal. Je crois que c'est au-dessus encore. Ouais. Bon, on va faire ça, tiens, ça va réduire ses stats. Il va y avoir un paquet de RTT surprise jeudi et vendredi. Des RTT qui n'en sont pas vraiment quoi. Il y a même des gens qui n'ont pas de RTT qui vont en poser. Oh là, il s'est fait une petite attaque magique plus plus là. J'aime pas trop ça. Hein. Putain, s'il me renvoie ça, je suis dans la sauce. Oh non, c'est un crit. Faiblesse carrément, merveilleux. Allez, ça c'est fait. Elle a tapé une glissade un peu chelou là. Tant pis, prenons ça. Si je les prends, j'ai plus de chances de voir les autres qui sont pas passés, donc... Et là, ce qui m'intéresse surtout, c'est... la fusion avec plus 5 niveaux. Après, il y a quoi d'autre? L'assaut général. Un boss. Il y en a 5 en plus. Bah ouais, c'est ce que je vois, hein. Alors... ça, je crois que j'ai pas besoin, normalement. Ouais, j'ai un buff. Ça n'a pas beaucoup de points de vie tout ça. Ah oui, carrément pas. Je vais garder la sienne. Enfin, je vais essayer en tout cas. Sur lui. Rappelle ses sbires. What? Du coup, prochaine attaque physique, un plus plus machin truc. On va peut-être essayer de trouver sa faiblesse. Ou en tout cas, quelque chose qui passe. Il y a peut-être une attaque physique qui passe en fait. Bah tiens, celle-là. Et celle-là. Pareil. D'accord. Donc la main de Dieu, ces trucs-là, il aime pas. Bon, ça va s'il les rappelle. J'allais dire un par un. Et non, non.
comment dire, comment, merci. Ça c'est fait. C'est trop bien. C'est ça. Dommage. Pas mal. Alors, pour Yukali, l'ampli vent. Ouais. Ben voilà. Yuki, est-ce que tu m'entends? Bien joué, vous n'avez fait qu'une bouchée du gardien. Plus on s'approche du sommet, plus je pense à plein de trucs. Je me demande si c'est ce que ressentent les héros d'une série juste avant le dernier épisode. Peut-être. En ce sens, c'est une sacrée expérience, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais imaginé que mes rêves deviennent réalité. Tu sais, les héros ne sont pas forts parce qu'ils ne perdent jamais. Ils sont forts parce qu'ils n'abandonnent jamais. C'est ce que je pense en tout cas. Je sens la détermination renouvelée de chacun dans notre périple vers le combat final. Selon Fuka, de nombreux gardiens nous attendent encore avant d'atteindre le sommet. Et je suis sûr que nous allons nous en sortir. Et je suis prêt à aller sur le terrain n'importe quand. Eh ben, pour le moment, reste en retrait. Hein. On se débrouille très bien, là. Miroir magique, très bien. Résilience, j'en ai déjà. Fiu, t'as fini le jeu? T'avais le nombre de porte-monades dans ce jeu? Après, c'est bien, hein, ça te fait pas mal d'XP à chaque fois. Je dis pas, hein. En revanche. Ça te rallonge pas mal les donjons, mine de rien. T'as la meilleure arme de Junpei. Mais je pense que j'ai la dernière arme pardon, de Aegis. Vu les statistiques. Pandemonium, agilité plus 7, ignore les résistes. Allez, comme d'hab, on teste. Et ça commence bien. Ah, un petit blocage quand même. Alors, il nous faut un petit... quoi. J'ai pas, je pense. Sinon, je peux le laisser. Hein. Je lui mets un affaiblissement. Allez. Et on va faire ça, comme d'hab. We'll be right back.
je devrais pouvoir terminer. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout ça. Ouais. Bah, espérons que ça passe. Hein. Attends, il a combien lui, ma sac à dos là. 75 de force. Je pense que c'est ma Glorious. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire celle-là pour récupérer les PC. J'espère que ça va suffire. Je vais peut-être rater aussi. Hein. Alors ça c'est parfait. Ça aussi ça peut être bien. Le bonus de lien social pour les fusions de personnages augmenteront. Est-ce que tu peux passer au niveau au-dessus de 10? C'est une bonne question. Je pense pas, hein. 10 c'est le max et c'est tout quoi. On va la prendre pour les cartes et avoir la fusion arcanique. Enfin l'explosion arcanique. L'ombre cupide se rapproche de vous. Ah bah. Alors, poursuivons ce truc. Et avec sa compétence. Hop là. On a coincé l'ombre. Maintenant, il faut la vaincre. Oh bah, ça va pas être si pénible que ça. Logiquement. Puisqu'on a ça. Pas mal. Échec et mat. Dommage. J'aurais bien aimé une petite carte XP encore une fois. J'ai pas trop de chance pour le moment avec ça. Ouais, par contre. Ok. Ah. Un petit boss. Bon, on y retourne. Hein. Oh non. Allons-y. Je sens que ça va être marrant, c'est un superviseur de la création. Ce sont les mêmes, on dirait. Bon, je suis pas absolument certain. Hein. Pourquoi je sens qu'il faut les buter en même temps ou un truc comme ça. Oh
Ah zut. Ils ont un défense up là. Pouvoir le faire avec la théorie du chien, je vais la mettre après, je pense. Quoique, est-ce que je la garde? J'ai encore le sort de Makoto à passer. Non, je vais faire comme d'hab en fait. J'ai bien fait. C'est vraiment absolument génial quand même. On va voir si ça fait un petit point faible. Il y en a pas. Et 2 diamants de plus. Merveilleux. Très bien, vous pouvez continuer d'avancer désormais. Nous arrivons au 250e niveau. Nous en avons fait du chemin. Cela ne fait même pas une année complète que la plupart d'entre vous ont rejoint la SEES. Vous avez tous été incroyables. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir tenu le coup malgré tout ce que vous avez dû endurer. Inutile de me remercier. C'est très généreux de ta part, merci. Les esprits de ceux qui nous ont quittés sont à nos côtés. Nous gagnerons. L'avenir du monde repose entre nos mains. Je sens la détermination renouvelée de chacun dans notre périple vers le combat final. Rang 5. Bien, continuons d'éliminer les gardiens de la sorte. Il en reste encore 5, donc restez sur vos gardes. Je reste prête, moi aussi, au cas où tu aurais besoin de moi. Ouais, il en reste 5, mais attends. Là, j'ai fait combien? J'ai fait quand même 15 étages. J'en ai pas tué 5 déjà. C'est combien à chaque fois? Jusqu'au 255, ouais. Pourtant, il n'y a que 15 étages, donc ça veut dire qu'il y en a un tous les 3 étages. Je m'en étais pas vraiment rendu compte, en fait. Ça suffira. Non, on va faire avec lui. C'est plus mieux. Salut Marvel, comment ça va? Bon, l'idée c'est d'atteindre quand même le niveau. Combien? Je crois 86 avec Makoto idéalement. Parce qu'il y a une Persona qui est niveau 91. Donc, avec la carte qui nous permet de fusionner 5 niveaux dessus, ça devrait le faire. Et c'est un peu la meilleure Persona quoi. Enfin, facilement. Obtenable. Ça y est, j'ai lâché Sea of Stars. Je fais la suite sur ta game YouTube. Non, tu t'es arrêté où?
ぜ。Le château mécanique, ah quand même. Ah, t'aurais pu pousser, tu déconnes. Heures de jeu. Ah oui, c'est peut-être pas autant que je pensais en fait. T'aimes les jeux rétro Marvel? Mais surtout à quel point? Les vieux RPG surtout. Bah si t'as pas fait Xenogears, go hein. Tu dis ça parce que tu joues à P3R depuis 2 mois. C'est pas vrai déjà. Ça fait même pas 1 mois. Putain, quel médisant personnage c'est. Oh non, blocage. Shikoden 2 que j'ai fait 2 fois la suite, c'est vraiment une exception. 2 fois la suite. Ouais, quand même. Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai pu faire 2 fois la suite. Hein. Je veux dire vraiment sans pause. Une présence redoutable au prochain niveau. Allez hop, on va save. C'est laquelle que je dois garder, c'est celle-ci. Faut que je me... Tiens, je vais faire une sauvegarde en dessous. Ce sera plus mieux. Oh non. J'aurais FF7 Rebirth si j'aurais la force de me lever. Bah non, justement. Si, peut-être pour mettre le disque dans la PS5, non? Téléporteur, il y en avait un juste avant. Ah, la bagarre. Moi j'aime ça la bagarre. Ah non, ça va pas commencer à siphonner là. Petite résistance. J'aime pas trop beaucoup ça. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Oh, je suis déçu, j'ai pas crit. Ah,
ça m'arrange pas ça. Nico quoi? Attends, laisse-moi finir ce combat là. Mais trop bien, c'est une faiblesse. Ah, ciao, bonsoir. Demain soir et mercredi soir, c'est Nanatoru qui modère la chaîne. On pourrait dire n'importe quoi. Bon, c'est trop bien, j'ai toutes mes théurgies. Ah, 107 000. Ouais, enfin, j'ai pas pris un niveau sur Makoto. Beau travail, tout le monde. Le sommet est tout prêt. Faites attendre. Que se passe-t-il, Koro? Tu veux nous dire quelque chose? Voilà ce qu'il dit. Je ressens un sentiment d'urgence de la part de Koromaru. Il semble vouloir nous encourager. T'es sûr qu'il a pas envie de pisser? On compte sur toi aussi. Koromaru a l'air encore plus motivé que maintenant. Plus motivé maintenant. Je sens la détermination renouvelée de chacun dans notre périple vers le combat final. Ah, tu vas voir d'une deux au Mikami, d'accord. Tu es prêt, Koro? Dans ce cas, allons-y. Le 1, j'ai trouvé ça bien, mais un peu rompiche. Est-ce que t'as vu le dune de l'époque? Des bottes de la déesse. Alors, c'est plus résistant, mais est-ce que c'est mieux? Ah. Oui, c'est mieux, parce que ça, ça rend des PC à la cible d'un changement, mais ça, c'est tout le temps. Avec plus d'esquive en plus. Et ça, c'est beau. Esquive glace moyenne. Ballon sexy chocolat. Et le film en location, il coûte 3€, disponible 48 heures, c'est un délire. Quoi? Ça existe ça, la location? Ça existe encore, je veux dire?